Re tout le monde. Je suis encore habillé en assassin et toujours avec mes Adidas parce que je vais conduire. Et là, Agathe, elle est en retard parce qu'il est moins le quart passé et on devait partir à moins le quart, dernier quart. Donc là, il faut encore qu'elle se coiffe. Le maquillage est fait, elle est habillée, mais il faut qu'elle se coiffe. Du coup, voilà, on est un petit peu à la bourre parce qu'en fait, on a rendez-vous. Je sais plus exactement à quelle heure, mais je crois que c'est vers 11h30 à un escape game. Il y a un escape game au Bordeaux Geek Festival, un tout petit truc hein, qui dure 15-20 minutes. Et j'ai réservé deux créneaux pour Agathe et moi, et puis les personnes qui nous ont aidés à faire nos costumes. En fait, ils sont trois. Donc en fait, on a pris un escape game 2 et 3 en deux sessions. Donc voilà, il faudrait qu'on loupe pas, ça serait cool. Ça y est, on est dans la voiture, en retard, voilà. C'est cool. Et je suis Hermione! Je suis trop contente. Trop contente d'être Hermione. J'ai galéré. Ah oui, j'ai galéré avec le lisseur de Grégoire. C'est de la merde ton lisseur, hein, franchement. J'ai pas arrêté de me brûler et tout. Il me sautait dans la tronche. Le ressort, dès que tu le soulèves un tout petit peu, poum, il fait ça. Du coup, je me suis brûlé le doigt. Et même plusieurs fois le doigt d'ailleurs. Enfin bref, on est enfin prêt dans la voiture. C'est la panique à bord parce que voilà, on est en retard. Cool. Et voilà, j'espère que j'ai rien oublié, j'ai mon retenir de temps, j'ai fait mes boucles. Voilà, on est bien arrivé au BGF, on a eu le temps de faire le petit escape game. Et là on va se promener. Voilà, et du coup je suis en Hermione. Ça va Altaïr? Oui, j'ai déjà fait des photos. T'as trouvé une resta? Oui. Mais regardez-le la rockstar quoi. Regardez-le. Regardez. Il est trop demandé quoi. Tout le monde le prenait en photo. Sous tous les angles il est pris en photo. Regardez-le. Il est content. Bon, on vient de manger, ça c'est fait. Et maintenant on va... On va, je sais pas quoi. C'est Aurore. La Belle au Bois Dormant. C'est ça qui était en belle hier. Ouais. Et après, on va voir, je sais pas, on va faire quoi, le défilé cosplay ou quoi? On va voir quoi? Je sais pas quelle heure il est. Je sais pas quelle heure il est, non. Christophe? 2h30. Ah bah c'est non, c'est pas maintenant. Ah oui, je crois que c'est à 3h. Tu m'as dit? Oui, je crois que c'est à 3h. Ben voilà, alors on y va. On va aller voir le défilé cosplay. Aussi une star. Hein. Il y a Mini Grégoire là. Il y a un petit Grégoire. Il y a Mini Grégoire. Mini Altaïr. Il est 16h49, on a vu le défilé cosplay qui se passait derrière. Et là, il faisait une démonstration de combat. Et il y a Franck, Aurélien et Elodie qui nous ont rejoints. Team Gryffondor. Bon, on vient juste de sortir du BGF et là on est sur le parking et j'aide Grégoire à se déshabiller pour pouvoir être suffisamment confortable pour conduire. On salit pas mon costume hein. Bah ouais mais... Bah et... Allez on tire encore. On va pas réussir. Mais c'est parce que j'ai des grosses chaussettes. Ah bah oui hein. On a...
Eh ben punaise. Et voilà, nous sommes dans la voiture. Bon, comme prévu, Hermione a eu moins de succès que Ariel. Je pense qu'il y a du monde qui s'est retourné sur le costume en se disant bah, que c'était celui du film exactement, vu que forcément je l'ai acheté au studio. Et donc je pense qu'il y en a qui se sont dit ouais mais bon, l'a acheté, c'est facile. Donc c'est vrai. Désolée pour tous les purs de cosplay. Malheureusement, il est vrai que ce costume a été acheté. Mais ça a été un tel plaisir de le porter. Il est tellement confortable et chaud ce costume. Je l'aime. Et maintenant, je vais le ranger tranquillement dans son placard. En attendant de pouvoir le ressortir une prochaine fois. Mais là, du coup, j'ai deux cosplays à coudre pour le BGF. Deux cosplays à coudre, les gars. Ça va être sympa. Hello, nous sommes bien rentrés à la maison et on est en train de d'enlever nos cosplays. Voilà, je suis tellement contente du cosplay d'Hermione là. Je me suis mis dans la glace tout à l'heure en de pied en cap, on va dire. Et de. Enfin, franchement, ça faisait tellement comme dans le film. En même temps, c'est un peu logique vu que c'est les trucs du film. Mais ça faisait tellement réel. Enfin, c'était trop énorme quoi. Enfin bref, voilà pour ça. Donc là, soirée calme ce soir. Première soirée calme. On va se changer déjà, on va se mettre en pyjama, à l'aise, etc. Je vais peut-être commencer le montage de ce vlog, comme ça il n'y aura pas trop à faire après. Et puis on va se mater un film tranquillou et se coucher pas trop tard. Parce que ben, demain malheureusement c'est le retour à la vie réelle, c'est-à-dire qu'on travaille. Donc voilà, un peu tristoun de repartir travailler, mais bon, il faut bien. Il faut bien, et puis en même temps, c'est la dernière semaine avant Noël. Donc je suis trop contente. Je suis trop contente. Dans 5 jours, là, c'est à nouveau les vacances pour moi. Donc je suis vraiment contente. Je vais avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail cette semaine du coup. Parce que en tant que community manager, il faut programmer les posts des jours où je ne serai pas là. Donc ça me fait quand même pas mal de travail. Plus cet article à rédiger, plus tout ça. Donc c'est un peu compliqué. Parce qu'après, voilà, c'est les vacances et on part chez mes parents pendant une semaine. Donc ça va être vraiment des vraies vacances. Où on n'aura pas grand chose à s'occuper, on emmène Ivy avec nous, donc elle sera avec nous, et puis ce sera Noël, et puis je serai en famille, enfin bref, ça va être trop bien. Aussi, on a tellement, mais tellement apprécié de vivre le BGF en tant que cosplay, ça a tellement rien à voir, c'est mille fois mieux quand on est en cosplay que quand on est en civil, parce qu'on fait des super rencontres, on parle avec plein de gens qu'on aurait peut-être même pas abordé dans un temps réel, on rigole, enfin... C'est vraiment génial quand on est en cosplay, je suis vraiment super contente d'avoir osé le faire. Mais voilà, et vous pouvez pas savoir à quel point j'ai hâte d'être au prochain BGF pour mon autre cosplay. Mes deux autres cosplays, parce que du coup on va peut-être en faire deux finalement. Et j'ai tellement hâte, mais vous imaginez même pas à quel point j'espère, et je croise les doigts, de pouvoir réussir à faire ce que j'ai en tête. Franchement, ce serait... oufissime si j'arrive à le faire, mais oufissime. On est le 17. Je vais prendre mon petit œuf Kinder. Mon petit œuf Kinder. Alors, 17. Et je l'ai pris le 16 ou pas? Tiens, un chocobon. Donc, premier repas à la maison depuis une semaine. Donc, c'est du pavé de saumon avec du riz. Et nous allons regarder Star Wars 6, du coup, puisqu'on a vu le 8 il y a pas longtemps. Donc là, on va regarder le 6 en Blu-ray, prêté par Franck. Merci Franck, encore une fois, de nous avoir prêté ces films. La poupette adore. Elle est fatiguée, madame. T'as une grosse journée? C'est dur. Oh oui, oui, c'est dur, je sais, madame. Et voilà, il est l'heure d'aller se coucher de mon nouveau pyjama Gryffondor. Team Captain, que j'ai acheté à Primark. Faudra que je fasse un haul de Londres. Mais vous allez rigoler parce que 90% de ce que j'ai acheté, c'est des trucs Harry Potter. C'est tout pour aujourd'hui, pour cette longue semaine qui a été pas mal riche en activité, en émotion, en fatigue aussi. On espère en tout cas que cette semaine à Londres et que ce week-end au Bordeaux Geek Festival vous ont plu.
Si le cosplay vous intéresse, on essaiera de vous tenir un peu plus au courant de l'évolution de nos cosplays qu'on va faire du coup pour mai. On essaiera de vous faire des vlogs en dehors des vlogmas du coup, parce que voilà, on va continuer de travailler dessus, mais genre on sera un peu moins pressé aussi. Enfin, ouais. On le sera sûrement plus vers la fin, mais on pourra peut-être prendre le temps à mi-chemin ou un petit peu avant pour faire des évolutions, ouais. Enfin des cosplay whip, en fait c'est des work in progress. On essaiera de vous faire des mises à jour de nos cosplays, etc., pour que vous puissiez voir l'évolution, tout ça. Je sais pas si on vous filmera, genre on vous fera un vlog et puis vous le verrez l'évolution dans le vlog, ou si on vous filme plein de bouts de l'évolution et on vous fera une vidéo globale, je sais pas encore comment on fait. Peut-être avec les évolutions des cosplays dans une seule vidéo, en fait. Je sais pas, vous préféreriez quoi, vous? Et puis dans tous les cas, vous aurez des stories sur Instagram. Donc moi c'est @agathediary et lui c'est @greg. C'est quoi ce type là? C'est quoi ton nom? Greg P-BDX? Greg P-BDX sur Instagram. Bon bah écoutez, on espère que ça vous a plu et puis on vous dit à demain pour un nouveau vlogmas plus calme cette fois. Ciao.